On va donner une estimation, grosso modo, de 120 joueurs en Calédonie stable sur du roleplay, qui honnêtement c'est beaucoup. Et ça tourne. En général, on est au minimum 120 par serveur Discord. Bonjour, je m'appelle Chario Kevin, je suis technico-commercial à Digital Computers et j'ai créé le serveur GTA 5 RP. Donc, il existe un jeu qui s'appelle GTA 5, qui est extrêmement connu dans le monde. Et des développeurs américains ont créé un logiciel qui s'appelle 5M, qui permet d'utiliser les fichiers de ce jeu et de remanier l'économie du jeu à sa guise. Moi, j'ai juste utilisé ce qu'on appelle des scripts pour créer un serveur, tout simplement. Et à l'intérieur de ce serveur, on peut incarner le métier qu'on veut et faire ce qu'on veut, ce qu'on appelle le roleplay. On incarne une autre vie que la sienne et on est soumis aux lois et aux règles de cette vie. On peut être policier, on peut être ambulancier, on peut être docteur, juge, procureur, avocat. Vendeur de glace, non, je crois pas que ça existe. Mais il y a vendeur de hot dog, ça existe. Les autres métiers ont un métier légal, on va dire, et des activités illégales à côté. Alors, cette version-là du serveur, elle existe depuis un mois. À savoir que ça fait 4 ans que ça existe au total et qu'il y a eu à peu près 5 versions différentes. Si j'ai décidé de créer ce serveur-là et les versions précédentes, c'est bien évidemment parce qu'il y a une demande des joueurs. Du coup, avec une petite équipe de développeurs à ce moment-là qu'on s'était rassemblés tout simplement, on a décidé de créer ça. En général, le serveur reste ouvert 3 à 4 mois par année. Le reste du temps, il ferme. Et pour les chiffres, on estime à peu près entre 40 et 50 joueurs dans les meilleurs jours. Et une vingtaine dans les jours les plus calmes. Ça dépend les vacances, ça dépend les activités de chacun. L'hébergement du serveur, il est en Australie. Il y a une licence 5M obligatoire pour que le serveur y tourne correctement, je veux dire, parce qu'il y a une partie gratuite, mais qui est vraiment très limitée. Et du coup, l'ensemble du serveur est à mes frais pour le moment. Les joueurs m'aident quand même énormément au niveau financier avec ce qu'on appelle un pot commun. Et éventuellement, ouais, ce qu'il me faudrait, c'est de l'aide à ce niveau-là, surtout au niveau hébergement. Donc, j'ai pas trop réfléchi à qui contacter, à qui ça pourrait intéresser, mais c'est peut-être ça qui me manque un petit peu. Et le développement pur de ce serveur, c'est pas mon job. J'ai pris ça sur le tas, j'ai appris tout seul, avec des tutos à droite, à gauche, en apprenant le code qui s'appelle le Lua, qui est très simple de base. Et avec du temps et beaucoup de volonté, j'ai fini par y arriver. Aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut y aller.